Madame, monsieur, bonsoir. Nous voici pour ce quatrième numéro. Nous parlions dernièrement de partis politiques épais et nous y voici. Nous avons cet honneur de recevoir ici les caciques de la politique nationale. Il y a en premier Michel Ngakala qui est chargé de l'organisation au niveau du Parti congolais du travail. Nous avons à sa droite monsieur Honoré Saï qui est député porte-parole de l'UPADES. Et puis monsieur Christ-Antoine Walimbo qui est le président d'un nouveau parti qu'on appelle CODEMA, c'est-à-dire le Congrès des démocrates africains. Marius Mwambenga qui lui est commissaire général du comité de suivi. Je terminerai par madame Kébi qui est universitaire, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Eh bien, la paix se conjugue tous les jours désormais, non seulement au Congo, mais dans le monde entier. Ça fait beaucoup de chroniques, tout au moins dans les foyers politiques, mais aussi dans nos foyers civils. La paix, ça se conjugue aussi comme l'amour. Qui dit paix veut dire tranquillité, veut dire aisance, liberté de comprendre autrui et de se faire une marque dans la société. La paix, c'est beaucoup plus. Galvaudé aussi par certains hommes politiques qui ne parlent que de ça, mais sans le sortir de leur cœur. On verra avec tous ceux qui font la politique ici si la paix est convenable à l'éthique des hommes politiques congolais, puisqu'ils sont ici tous hommes politiques. Bonsoir. Alors, le sujet va donc s'articuler autour du fondamental qui est bien sûr la politique d'une part et puis bien sûr la paix d'autre part. La politique dans son sens classique, c'est l'art de gérer la cité. Or, quand on dit art, ça sous-entend ce qui est très beau, ça sous-entend les vertus de bonne gouvernance, le respect des lois de la cité. Est-ce l'expression réelle dans vos partis, monsieur Ngakala? Merci d'abord pour nous avoir conviés à cette émission qui est la vôtre. Je ne suis pas sûr que en tant qu'homme politique dans un pays qui est bien connu, rien ne peut se faire en tant qu'homme politique sans la paix. C'est grâce à la paix que l'homme politique peut conduire un projet qui touche l'ensemble de la société, donc le territoire national. Il faut que ce territoire soit totalement en harmonie avec la manière dont le projet peut être conduit. Ça touche les communautés, ça touche les catégories sociales, les jeunes, les femmes, et ça touche ceux qui, au nom de ce projet, sont appelés à le mettre en œuvre. À partir de ce moment-là, la paix apparaît comme un élément fondamental et déterminant important, à partir duquel il est possible de faire passer à la fois les valeurs que vous défendez dans votre projet, l'impact de votre projet et ce que vous attendez des autres par rapport à la manière dont votre projet doit être accompagné. À partir de ce moment-là, on ne peut pas être non-politique, être opposé à la paix. Au contraire, la paix devrait, à mon avis, faire partie de vos grandes préoccupations. C'est même la préoccupation la plus importante, même la première préoccupation pour être un homme d'État et conduire le projet en faveur de son peuple et de son pays. Alors, donc, je reviens à ma question. Il est allé directement sur ce qui est fondamental, la paix. Moi, je parlais de ce que la politique est considérée comme art de gouverner la cité. Ça sous-entend ce qui est très beau, le respect des lois, les très bonnes vertus. Vous qui êtes dans les différents partis politiques, est-ce que vous exprimez réellement ces vertus-là? Merci, Jean Obambi. D'abord, je ne suis pas dans un parti politique, mais je m'occupe des questions de paix. Ce qui fait que j'ai un regard assez distant par rapport aux partis politiques en ce qui concerne la paix. Alors, j'aimerais dire ceci. Effectivement, la paix est primordiale. Elle est primordiale pour tous les pays, pour tous les acteurs politiques. Mais une seule chose est là, nous accompagne toujours, c'est que, à tort ou à raison, ce sont les acteurs politiques qui perturbent la paix. Et ça, c'est un débat que nous pourrions avoir de manière profonde. Regardez vous-même. Quand vous prenez l'histoire du Congo, depuis de longues années, nous avons eu la paix qui a été perturbée parce que les acteurs politiques se sont mis dans des situations assez complexes. On a eu des guerres, on a eu des conflits divers, mais chaque fois, c'était les acteurs politiques. Quand je dis acteurs politiques, j'entends les acteurs eux-mêmes, les partis politiques, qui se sont impliqués dans des querelles dont on aurait pu se passer et dans des querelles qu'on aurait pu régler par le dialogue. Donc, c'est la première des choses qu'il faut comprendre, selon moi, pour que la question de la paix ne soit pas un slogan, que ce soit une vraie préoccupation et que tout le monde s'en préoccupe et que tout le monde fasse les efforts nécessaires pour que
elle soit privilégiée. Ah, si c'est dit ainsi, c'est tant mieux. Mais le problème ici, c'est qu'on doit surdimensionner la paix. Non seulement à la regarder chez les autres, mais en son propre sein aussi, dans les partis politiques. Quand je prends le cas du Parti congolais du travail, est-ce qu'à votre intérieur, vous êtes en train de valoriser la paix, madame? Merci, monsieur Jean Obambi. Effectivement, au niveau du Parti congolais du travail, la paix a une telle importance qu'on l'a intégrée tout d'abord dans notre politique sociale et culturelle. Quand vous lisez le document sur la politique sociale et culturelle du Parti congolais du travail, la paix y figure en très bonne place. Et vous avez pu vous rendre compte également depuis quelques années à combien de fois le secrétaire général du parti s'est impliqué dans tout ce qui concernait la paix. Lorsqu'il y avait des difficultés, le Parti congolais du travail mettait en avant la nécessité de préserver la paix par le dialogue. Et vous avez pu vous en rendre compte. Mais il n'y a pas de frondeur au PCT? Le PCT, c'est un parti avec plusieurs membres. Et donc, on peut très bien, évidemment, avoir des frondeurs. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre la vision. Qu'est-ce que le PCT veut? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Et autour de cela, tout le monde se met d'accord. Mais on nous apprend que c'est par la fracture de ce terme qu'il y a eu dissidence. On prend le cas de M. Okombi Salissa, par exemple. M. Okombi Salissa avait l'occasion de s'exprimer au sein du parti. Et si on fait la genèse du départ de M. Okombi Salissa, je crois que ce n'est pas le moment, vous allez vous rendre compte que tout avait été mis en place pour que les échanges se fassent au sein du parti. Et on l'a bien vu au cours de l'avant-dernière session du comité central de décembre 2014. Tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait des voix qui s'étaient élevées et on a pu nous expliquer et faire en sorte que la position majoritaire du parti soit celle-là qui a été soutenue par tout le monde. Je me tourne. Pour être en face de M. Oualembo, vous sortiez du CNR, vous avez votre parti aujourd'hui, vous le pilotez en tant que patron. C'est parce qu'il manquait la paix au CNR que vous êtes devenu patron de Koudema? Non, ce n'est pas déterminé par rapport au CNR. Ce n'est pas possible. Nous avons un projet que nous voulons faire valoir. Et monsieur le directeur général, moi je suis également commissaire au comité ad hoc en charge de la gouvernance électorale. Bon, dire que je me suis engagé dans le projet qui a conduit à la création du CODEMA par rapport au CNR, cela est une contre-vérité. Il y a eu certainement des divergences qui peuvent expliquer ou justifier mon départ du CNR. Mais ce n'est pas du tout une absence de paix. Hein, le dire, ce serait superfétatoire. C'est faux. Les motivations de notre départ du CNR et les raisons qui ont conduit... Une ambition à conquérir le pouvoir, parce que tout parti politique a cette volonté réelle. Mais pourquoi pas? Je crois que la thématique aujourd'hui, c'est la paix. Ce n'est pas les modalités de conquête du pouvoir. Donc ce débat, je pense que nous le ferons dans un autre contexte. Et donc vous avez créé le CODEMA pour effectivement donner l'assurance à la paix aux Congolais? Mais bien sûr, comme l'ont dit mes illustres prédécesseurs, un parti politique doit avoir comme leitmotiv la paix, sinon ce n'est pas la peine. Comment ce parti va-t-il s'exprimer? Comment va-t-il mettre en œuvre son projet de société dans un univers chaotique? Il faut bien qu'il y ait la paix. Ça, c'est un acteur politique qui prône la guerre. Permettez-moi le mot, pour nous autres, c'est simplement un acteur politique médiocre, sinon minable. Vous êtes aussi... Il ne peut pas s'exprimer dans un univers... Hein, de briques et de brocs. Il faut bien qu'il y ait la paix. Vous faites le reproche là, convenablement, à qui? Nous ne visons personne. Mais nous disons que le constat qui est là, qui est patent, c'est que les acteurs politiques congolais, en tout cas, font de la paix une simple construction intellectuelle. Mais dans les faits, ils ne font rien pour la préserver, malgré
les précédents qui existent. Ces acteurs politiques, on les trouve à l'UPADES, on les trouve au PCT, on les trouve à l'UDR Mouinda, ainsi de suite. Monsieur Honoré Saïd, vous êtes député, en même temps porte-parole de l'UPADES. Nous parlons des questions de paix, mais agissons d'abord sur la terminologie qui nous est fondamentale, la politique. On dit politique, c'est l'art de bien gérer la cité, le respect des vertus de l'autre. Est-ce que c'est convenable à l'UPADES? Bon, ben, monsieur le journaliste, je veux d'abord commencer par dire que les partis politiques doivent leur fondement dans leur constitution. Ces constitutions peuvent être des règlements intérieurs, peuvent être des statuts, mais tout ceci s'arrime à la constitution qui autorise aux partis politiques de servir finalement d'éducateurs de la société et finalement de promotion de l'idéal du vivre ensemble. L'Union panafricaine pour la démocratie sociale, vous le savez bien, est un parti né au sortir de la conférence nationale souveraine. Lorsque vous posez problème politique comme tel, il faut tenir compte de ce que ce parti arrive quand même sur le tard d'une pratique politique qui l'aurait précédé. Et dans notre pays, malheureusement, le passage par le marxisme nous a enseigné certaines cultures dont on connaît les slogans assez forts, le pouvoir au bout du fusil. Voyez bien, à partir des concepts de ce genre, l'idéal de paix ne peut pas être construit. Mais pourquoi? Parce qu'il est de la nature des hommes d'être fragiles, d'être méchants, d'être impurs, au point où lorsque l'on veut construire un État, il faut réussir à faire de telle sorte que de cette impureté, de cette fragilité, de cette méchanceté, s'établissent finalement des points sur ces fameux concepts. Et donc, monsieur le journaliste, avant même de parler de paix, avant même de parler de politique, je crois qu'il fait défaut l'amour du prochain. Qu'est-ce que nos civilisations, notre société, notre pratique politique a enseigné, qui peut être conçue comme valeur cardinale du vivre ensemble? Ça, on va en venir, on va y arriver. Voilà. Oui, on va y arriver, sauf si vous voulez terminer essentiellement sur la paix, dans votre parti, bien donc, sûr. Le concept de paix, vous l'avez dit au départ, peut avoir des lieux où il aurait été galvaudé. Mais ceux qui ont commencé à introduire le concept de paix, là où fait défaut l'harmonie, se sont élevés beaucoup plus au niveau de la paix la plus profonde, pas celle que l'on utilise comme catégorie désormais politique, mais qui n'a rien à voir avec la recherche du paisible intérieur, du paisible même au sein de la société. Et c'est présenté comme étendard, c'est présenté comme phare pour faire croire aux gens qu'on a en soi la gestion d'un phénomène essentiel et fondamental au vivre ensemble. Très bien. Moi, ça me paraît étonnant en ma qualité de journaliste, en entendant les uns les autres. C'est comme si tous, hommes politiques ici, vous avez à vous reprocher des paroles des uns des autres qui sont des hommes politiques, qui parlent hasardeusement de la paix. J'ai entendu M. Saïd dire ici quelques terminologies en temps marxiste. Et je répète, il y avait un grand slogan qui nous rappelait ceci, que pour aimer la paix, il faut préparer la guerre. Monsieur Ngakala. Il faut d'abord remercier, étant donné que nous sommes là, acteurs hier, aujourd'hui et demain peut-être. Chaque conteste est déterminé par un ensemble de valeurs. Et le parti unique était le parti marxiste-léniniste de l'époque, qui, face à l'évolution des choses, s'est retrouvé face à un mouvement interne pour réclamer le multipartisme. Et c'est ce qui nous a conduit à convoquer la conférence nationale souveraine, qui s'est déroulée sans heurte. Sans heurte. C'est la plus longue des conférences nationales dans notre continent. Sans heurte. Personne n'était arrêté. Bien que pendant cette période, le président Denis Sassou Nguesso était toujours président de la République, disposant de la force publique,
disposant de la milice dont j'étais chef, personne n'a été arrêté. On a inventé, on a dit beaucoup de choses. Et les gens même se sont même permis à injurier un chef d'État en activité. Un chef d'État en activité. Il a dit, le pays, ce n'est pas lui. Si le pays veut avoir de nouveaux acteurs pour changer les choses en faveur de notre peuple, laissez les Congolais s'exprimer tel qu'ils veulent. Et ils se sont exprimés et personne ne les a dérangés. Quand il est venu pour à mi-parcours de la conférence, il dit, j'assume. Même ceux qui étaient du passé, et de Youlou, et de Bassama Déba, et de Marie Ngouabi, et de Joshua Mbopango, et lui dit, je prends sur moi. Mais il faut être d'une grande culture de paix pour reconnaître les erreurs des autres et prendre ça sur vous. C'est Denis Sassou Nguesso. Et après, c'est lui qui a permis à la démocratie de s'installer dans ce pays, sans heurte. Ils sont allés aux élections. Et il était troisième. Et dans à ce moment-là, nous, on pensait que, partout qu'on travaille, on avait les amis avec nous. Et nous partagions les mêmes valeurs. Nous étions des hommes de gauche. Et nous avions pensé que même si le camarade de Zongouba est membre du bureau politique de notre parti, mais Koulila n'était pas notre camarade. Nos amis étaient à l'UPADES. La raison pour laquelle le Parti du Travail s'était organisé pour faire passer le président par le Sénat. Oui, ça c'est historique. Non, c'est valeur. Pour dire que ce n'est pas une affaire de slogan. Le slogan avait son temps. Où la révolution, c'est le renversement. Il n'y avait pas de démocratie. On ne partait pas à un suffrage. Et si cela avait été bien rationalisé et sortant de... Nous avions compris que le pays avait besoin d'aller à un multipartisme politique. Donc la création de plusieurs partis. Et de par le multipartisme, nous avons aujourd'hui la plupart des partis congolais qui sont des partis de gauche, qui prônent la social-démocratie. Mais pourquoi ces partis, pour le fait de prôner la paix, ne peuvent-ils pas se réunir en un parti face au parti de droite pour faire effectivement une espèce de bonne gouvernance pour le Pacifique? Le PCT, au sortir de la conférence, avait pensé que pendant cette période, le parti de gauche était l'UPADS et que l'UMCD n'était pas de gauche. Et raison pour laquelle nous avions décidé de aller vers l'UPADS et l'UPADS vers le PCT pour signer un accord. Ça n'a pas duré longtemps, de toutes les façons. Ça, ce n'est plus nous. Nous étions pour ça. Ça, c'est qui alors? Ça, ce n'était plus nous. Vous qui? PCT. Ah, donc, c'était l'UPADES alors? Bon, je ne peux. Ici, je suis mieux placé pour en parler. Lorsque l'accord a été signé, le premier initiateur de la démarche s'appelait Koukoumbot. Le premier initiateur de la démarche. Pourquoi c'est lui? Les raisons sont bien simples. Parce que lui, c'était un homme de gauche. Il était avec Opango, l'homme de gauche. Et il est resté jusqu'à sa mort homme de gauche. Et nous l'avions accompagné jusqu'à sa dernière tombe. Donc pour nous, l'UPADES, c'est celle pas de gauche. Et avec l'UPADES, on ne devait pas avoir, on pouvait avoir des incompréhensions qu'on pouvait planir à partir des valeurs que nous défendions ensemble. D'accord. Mais vous avez là à vos côtés le porte-parole de l'UPADES. Vous avez jeté la pierre, là, voilà, rompu la paix entre vous et le PCT. Bon ben, écoutez, c'est deux cultures que lorsque l'on veut noyer son chien, qu'on l'accuse de rage. Je pensais que dans les analyses que nous devons développer ici, devait avoir beaucoup plus une connotation thématique, pas historiciste. Si tel est le cas, je voudrais simplement vous dire, monsieur le journaliste, que dans nos formations multiples, nous avons deux types de cultures. Il y en a qui ont une culture latine, romaine, et il y en a qui ont une culture hellénique, qui ont beaucoup plus une orientation vers l'exercice de la raison. Et vous savez bien, lorsque vous dites si vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre, vous savez que c'est dans la culture latine. Et ceux qui ont besoin de l'exercice de la raison sont beaucoup plus helléniques ou hellénistiques. Dans le rapport dont parle mon doyen, qui a une forte connaissance des vieux rapports et même des nouveaux, il ne faut pas simplement s'arrêter à ces accords si il y a depuis avant cela, et même de la relation qu'il y avait entre Kikungango et Opango, des forts attraits, ça existait.
Mais il se trouve que dans notre relation, la propension à garder le pouvoir se trouve, on ne peut plus prononcer quelque part qu'ailleurs. Et dans le cas présent, nous avons signé des accords, mais l'impatience est venue de quoi ? Du désir d'être toujours au pouvoir. Et ça... Ce désir est venu de quel côté ? De votre côté ? Je n'ai pas envie de le prononcer et ça se sent. Ça se sent. Vous voyez, même par les efforts accomplis actuellement, d'être au pouvoir, ça se détermine. La propension à être au pouvoir, le désir effréné d'être toujours chef a fait que les autres sont pris pour des amateurs et les professionnels s'érigent. C'est ça ce qui... Il faut remettre ça au peuple congolais. Bon argument, bon argument de défense, je crois. On va passer au commissaire général, oui. Mais, oui, oui, vous n'allez pas être, vous deux seulement, à en parler. Les deux, lui et moi, il n'y a pas un problème. Ouais. Il s'agit de restituer les faits. Il ne faut pas les maquiller. Quand on les maquille, ceux qui nous suivent, ils risquent d'être accrochés à ce qui est maquillé. Je dis, et je le dis avec toute la conviction qui reflète un peu ma nature d'être, nous avons pensé, après la conférence nationale souveraine, après l'élection qui avait eu lieu, après que Sassou ait été battu, il ne pouvait pas aller au deuxième tour. Il n'y avait pas là le désir de rester au pouvoir. Parce qu'on lui avait demandé de contester les résultats. Ce qu'il lui avait demandé, c'était les gens qui n'avaient pas encore été au pouvoir. Il a dit non. Laisser le peuple a déjà fait son choix, allant au deuxième tour avec les deux premiers. Et avec les deux premiers, le PCT, jusqu'à ce jour, c'est un parti de gauche, malgré les faiblesses des uns et des autres. Moi, je suis un homme de gauche. Personne ne peut dire que le Kamanaka qui parle devant vous est un homme de droite. Je ne serai jamais un homme de droite. Et raison pour laquelle, autour du Kamanaka de Sassou Nguesso, les hommes de gauche, dont le vieux Numa de Personam, c'était que le Souba, malgré leur querelle de l'époque, était la personne. Si je vous attrape à vos propres mots, vous avez dit qu'il avait été demandé au président de rester au pouvoir, malgré le fait qu'il ait perdu non, le pouvoir. Non, de contester les résultats. Contester les résultats. Ah oui, lesquels lui demandait? Lesquels? Vous par PCT? Non. Lesquels alors? C'est, je dis que... Lesquels lui demandait? Le Milongo, le premier ministre, était venu voir le président Sassou pour que qu'il soit les deux à contester le pouvoir. Il a dit non. D'accord. Et ceux de l'UDMOUDA le savent. Mm-hmm. À partir de ce moment-là... C'était de faire que ceux qui sont devant le deuxième tour, à le deuxième tour, et lui, il a choisi le candidat de Souba pour l'accompagner avec son parti. D'accord. Monsieur le commissaire général du comité de suivi, vous avez du pain sur la planche à entendre les hommes politiques raisonner. Vous aviez eu raison de dire au départ ici que c'est les hommes politiques qui sont en difficulté face à la paix. C'est eux qui galvaudent la paix d'ailleurs. Merci Jean Bambi. Vous savez... Cet échange m'éclaire davantage. Je n'arrive pas à percevoir pourquoi, malgré le fait que ce soit dans nos constitutions, que ce soit les différents dialogues que nous avons eus, on dise toujours avec insistance qu'il faut recourir au dialogue pour régler les conflits que nous pouvons connaître. Alors, je crois que dans notre cas, effectivement, les acteurs politiques, qu'ils se soient proclamés de gauche ou de droite, il est arrivé toujours un moment où ils abandonnent ce qui devrait faire qu'ils se mettent ensemble pour parler, pour aller à la guerre. Alors, ça, je souhaite que notre entretien, justement, notre débat, sorte de l'historicité pour dire, nous avons connu des conflits, nous avons connu des guerres. Comment faire pour que ça ne revienne plus? Parce que ça fait des années. Je me suis amusé il y a quelques jours lors d'une conférence que je donnais à la cérémonie de Téléma à faire l'inventaire des situations que nous avons connues. Depuis 1959, nous n'avons connu que des conflits. Mais les conflits sont des conflits politiques, des conflits animés, soutenus par des acteurs politiques et qui ont fait de notre pays un pays instable. Alors, je voudrais que l'émission ne se perde pas dans les souvenirs, que les missions retiennent simplement que c'est nous qui créons les guerres. Mais que c'est nous qui devons travailler à faire que ça s'arrête. Mais l'historicité, c'est vous-même qui la sortez ici. Moi, je ne fais que modérer cette émission-là. Madame, vous êtes d'abord une dame, vous êtes universitaire. Bon, on ne parle plus historique alors. Parlons des partis politiques et de la paix.
Est-ce qu'on peut, on peut la considérer à sa juste valeur, cette espèce de binaire, d'aspect binaire entre les partis politiques et la paix au Congo? Mais on l'a dit tout au début. Oui, mais vous l'avez dit, maintenant il faut schématiser les choses. Prenons le cas du PCT avec l'UPADES apparemment. Quand j'entends M. Ngakala, j'entends M. Saï, il y a comme quelque chose entre les deux. Il n'y a pas de problème entre M. Ngakala et M. Saï, je ne crois pas. Mais il y a deux éléments que j'aimerais relever. C'est cette petite contradiction. Vous voyez, lorsque vous suivez M. Ngakala, qui fait l'historique, en fait, c'est pas, ça ne vient pas du hasard. C'est déjà pour relever que depuis la création de l'UPADES, parti de gauche, le PCT s'était senti très proche de ce parti. Voilà, de l'UPADES. Et donc, pour le PCT, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de bon rapport avec l'UPADES. Mais lorsque vous suivez M. Saï, il relève le fait que certaines personnes se maintiennent trop longtemps au pouvoir. Mais là n'est pas le problème, se maintenir longtemps au pouvoir. C'est la démocratie. On est appelé à aller aux urnes. Le pouvoir appartient au peuple. Si le peuple choisit un camp, comme l'avait fait en 92, on a choisi le président Lissouba, qui a pris les rênes du pouvoir, le peuple l'a choisi, les autres accompagnent. Donc ce n'est pas un problème de temps passé à la direction d'un pays, mais c'est tout simplement le respect des règles démocratiques. Alors, je viens à vous. Monsieur le journaliste, nous ne voulons pas rentrer dans des polémiques. Nous disons que les hommes politiques ne doivent pas être appréciés sur les fondements de telle ou telle déclaration. Ah bon? De notre point de vue, si vous voulez... Mais c'est la parole-là qui fait l'homme, les déclarations-là. Ce sont les faits. L'homme politique, on le juge en observant les faits, en observant son comportement. Vous savez, le... Et pas de sa parole. Non, le Congo est pavé. Vous savez très bien qu'il y a un illustre politicien qui a déclaré que la parole d'un homme politique n'engage que celui qui l'écoute. Ça ne l'engage pas, puisque l'homme politique peut à tout moment revenir sur ce qu'il a dit et il aura toujours l'argumentaire qu'il faut. Vous savez, il y a... J'ai vécu longtemps dans un pays qu'on appelle le Gabon, où il y avait justement un politicien là-bas, et qui existe toujours, le père Paul Mba Bessel. Je lui ai posé la même question, il dit, mais pourquoi, à telle occasion, tu as eu tel comportement? À telle autre occasion, tu as eu telle déclaration? Il m'a dit, mon fils, l'homme politique est un chasseur qui pointe son canon sur une cible, et quand la cible se déplace, il déplace le canon. Vous voyez bien que, et d'ailleurs chez nous, dans nos villages, les gens considèrent même la politique non pas comme la gestion de la cité, mais comme l'oligopole du mensonge. C'est pour ça que je dis, nous disons que les hommes politiques qui viendront sur ce plateau auront les mots qu'il faut, les mots justes, pour légitimer leur comportement. Mais nous nous disons qu'ils seront appréciés sur la base des faits, sur la base de leur comportement. Vous savez, je vais terminer, pour, je crois que, monsieur le journaliste, vous connaissez ce qu'on appelle le psychodrame de Moreno, hein, cet intellectuel qui a planté, disons, les premières ressources pour guérir les fous. Lui, il se contentait du comportement des fous sur les planches. Donc, je dis les hommes politiques congolais ne sont pas sérieux. Puisque lorsque le ministre Mwambenga s'en réfère à la quantité de conflits que notre pays a connus, on ne peut pas dire que nous avons une classe politique sérieuse. Les faits montrent que nous ne sommes pas sérieux. Nous prenons même en otage les populations. Et d'ailleurs, les acteurs politiques congolais pensent que le Congo, c'est leur propriété privée. De grâce, le Congo n'est pas la propriété des acteurs politiques. Dit d'un politique, voilà.
J'en ai cette ferme assurance et je crois fermement que les hommes politiques ne sont pas des hommes sérieux au Congo. Ce n'est pas de moi, c'est de lui. Monsieur Ngakala, quand je dis qu'il y a un petit quelque chose entre vous deux, ce n'est pas que vous ne vous entendez pas. Non, je dis dans la défense des doctrines, apparemment vous ne défendez pas la même thèse en tant que parti de gauche. Peut-être que vous aviez à répliquer. Mais je n'ai pas répliqué, je suis tout simplement en train de l'accompagner et qu'il comprenne que je l'accompagne. Puisqu'il va devenir un acteur politique de haut niveau, c'est ça. Quand je dis que le pays a connu ce qu'il a connu, moi, bien que c'est un ami d'enfance, on se connaît très bien. Il s'agit maintenant de parler de ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays depuis combien d'années. Je dis qu'en 1991, nous sommes allés à la conférence des nations souveraines. Ce n'est pas l'historicité, la police, c'est les faits. Qui ment, qui trompe, qui est violent, qui est contre le peuple, contre son pays, c'est à partir des actes que vous posez. C'est tout. Je dis, Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, pas par les armes. C'est son parti politique. C'est après la mort du camarade Ngouabi. C'était le camarade Joachim Yombio Pango, après la mort du camarade Ngouabi. C'est le congrès du parti qui a créé les conditions pour faire que Yombi, qui n'était plus en harmonie avec les valeurs de son parti, et c'est le congrès qui l'a démis et a élevé notre cadre. De 79, à 92, qui est le congrès qui peut dire Sassou Nguesso de 79 à 92 a maintenu le pays dans la violence, dans la partialité et dans ce que le pays n'avait jamais connu. On peut dire que de 79 jusqu'à Paul Robert. On regrette la ministre populaire nationale. Ce n'est pas la ministre créée par les partis politiques. C'était la ministre pour protéger l'ensemble du peuple. N'y étaient que les élèves, les étudiants, les ouvriers, les paysans. Nous sommes allés à Kimongo pour chasser les flèques. Mais ce n'était pas notre village. Parce que c'était notre mission. Je n'ai pas encore fini. Oui. Deuxièmement, mais quand Sassou se retire des affaires, il s'est bien retiré des affaires. Il s'est retrouvé sur le village, après il s'est retrouvé en France. Après, il revenait pour être candidat pour le compte de son parti. Il était bien accueilli à l'aéroport, bien accueilli. Il n'a jamais été aussi accueilli comme ça. Après, il est allé à Pointe-Noire. Après, il est revenu à Belleville. Après, il a voulu faire le tour du pays, jusqu'à aller jusqu'à Makwa, à Wando, il a voulu le piéger. C'est pas lui qui a voulu de la guerre. À partir de ce moment-là, on lui impose la guerre. Oui, mais le problème ici, ce n'est pas surtout d'individualiser ce débat. Non, c'est de restituer les faits pour ne pas répondre à la question du camarade, de celui qui a créé son parti. C'est le grand leader demain. Je souhaite à son parti beaucoup de chance. Mais parce que si on prend tout le monde, on dit tout le monde est voleur, ça devient faux débat. On doit dire le pays a connu ce qu'il a connu. Après 59, c'est qui? Est-ce que c'était au Pango? Est-ce que Younou? Les historiens vont en parler. Après, on arrive. Bon. À Sidimassama Déba, pour les partis du pouvoir, c'est qui? C'est les acteurs politiques. C'était lesquels? Et on les connaît pas. Donc, aujourd'hui, le débat, c'est de savoir que le pays, aujourd'hui, peut avoir des problèmes. Mm-hmm. Il a connu ce qu'il a connu. Le président Sassou était à Ouyo chez lui. Et quand la guerre a pris fait, il a dit qu'il n'est pas vainqueur. C'est le peuple qui est vainqueur. Il rentre d'Oyo le 17 octobre. Et il décide très rapidement de faire qu'un forum soit convoqué. Donc, tout en stimulant cette historicité-là, on peut donc le considérer comme apôtre de la paix au Congo? Oui, on peut le considérer. Il est apôtre de la paix. Ça veut dire qu'on se doute de lui? Non. Il a créé toutes les conditions. Même ceux qui lui ont voulu donner la mort aujourd'hui sont autour de lui, des conseillers, des ministres, des ambassadeurs, et il a envoyé les cadres. Charles Boao, Gakala Michel, Lekoba, Ibou François, pour sillonner les pays d'Afrique de l'Ouest, aller discuter avec ceux de leur génération, pour les ramener au Congo. Tout ça à la recherche de la paix, consolidation de la paix. Oui, et arrivé à Paris, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était un cadre que je connaissais bien, c'est aussi beaucoup que je connais très bien, il nous a reçu chez lui. De 21h à 3h30 du matin. Ils n'étaient pas sûrs que nous étions vraiment venus les chercher pour qu'ensemble, nous puissions taire nos querelles et que nous puissions le construire le pays ensemble. Cela étant dit, on va revenir donc à M. Sailly, qui, entendant les propos de son aîné Ngakala, lui qui est de l'UPADES,
peut certainement avaler cela. Et puis se dire, ben oui, on a un apôtre de la paix qui est au PCT, mais à l'Ibadès, on n'en a pas eu. Vous savez, il y a quelque chose qui frappe souvent les intellectuels, c'est qu'ils sont des infidèles mémoires et qu'ils établissent toujours l'histoire en faveur de la personne dont ils ont le choix. Cette infidélité de la mémoire que l'on construit tente quelquefois d'occulter ce que sont les autres valeurs. Je ne veux pas parler individuellement du président Sassou. Lorsque beaucoup de temps après, qu'il n'ait plus les rênes du pouvoir, il y aura possibilité de réécrire l'histoire à son nom. Maintenant, nul n'est prophète chez soi. Et je me réserve de ne pas parler de lui. De parler uniquement des thèmes que nous avons développés, de paix et de politique. Parce que, monsieur le journaliste, lorsque nous introduisons le concept paix et que nous voulons le marier à la politique, on sait que la politique est faite des traquenards, mais quelquefois des conceptions aux yeux du monde immondes. Continuons avec M. Honoré Saï qui lui parle de la thématique, elle est bien pesante sur les partis politiques et la paix. Vous en avez à ajouter ? Mais bien entendu, même si j'ai dû perdre la tramontane, il faut bien que je revienne à ce que madame a développé, universitaire qu'elle est. Elle sait bien qu'une pensée qui évolue de l'identique à l'identique ne s'enrichit jamais. Et si nous parlons d'alternance, c'est pour permettre aux Congolais et même aux générations qui veulent aspirer à la gestion du pays de penser que chacun peut faire son temps et laisser à l'autre l'attitude de continuer. Vous savez bien que tout le monde va et parvient au lieu qu'il peut atteindre. Et donc, dans le cadre exact de la politique, nous l'avons faussé. Nous l'avons faussé parce que nous n'avons pas voulu en faire une science. Et nous avons fait de telle sorte que n'importe qui, du fait du militantisme, sachant agiter, sachant dire quelque chose, se constitue comme homme politique sans réellement qu'il n'ait pu apprendre les grands béabas de la politique. Et ça nous a fait défaut. Au point où les hommes politiques, j'ai admiré l'expression utilisée par mon frère Walimbo, il y a quand même dans ce pays une nuance entre les hommes politiques et les politiciens. Les hommes politiques, ceux qui ont appris la science, qui savent comment gouverner un État, il n'y en a pas assez. Au point où, quelquefois, on est des mauvais conseillers auprès des gens, peut-être qui sont imbus des bonnes qualités de conduire un pays vers des décennies meilleures, et chaque fois, du fait de l'effet courtisan, on vient dire à ce monsieur, quelquefois, même quand il n'en peut plus, de dire « va, va, va ». Nous sommes derrière toi. Si tu t'en vas, tu nous lâches, on n'aura plus personne. Ce sont ces concepts-là qui, au lieu de parler du renouvellement de la classe politique, ont continué à garder les vieux. Non pas que j'ai une animosité à l'endroit des vieux, mais qu'ils sachent quand même que lorsqu'ils ont fait un temps, qu'ils les laissent aux autres qui peuvent développer aussi certaines capacités de travailler pour l'avenir de ce pays. Bien. Alors, on va donc aller à une autre pagination pour comprendre que nous sommes toujours dans ce chapitre, la paix, avec les hommes politiques ici présents, avec certains acteurs au niveau des partis politiques, bien sûr. Mais ce qu'il faut croire, c'est que le seul qui a dû refuser les conseils de tous ceux qui devaient être courtisans, qui avaient été ses conseillers, c'est Denis Sassou Nguesso, qui a dit non, moi je ne vais pas à la guerre, le peuple souverainement a souhaité que je sois déchu et laissant donc libre cours à celui qui a gagné. C'est donc un homme qui a pu se départir des mauvais conseillers. Donc c'est d'abord l'homme qui dirige qui doit avoir un pouvoir sur ceux qui sont ses conseillers. On se rappelle que Malraux disait que nous les conseillers, nous avons à conseiller, mais le président De Gaulle, lui, il a décidé. Je viens donc à vous pour dire, c'est général la question. L'actualité maintenant là, c'est l'appel à candidature. Ça se lit aujourd'hui au niveau de la mouvance majoritaire, de la majorité présidentielle. Est-ce pour garantir la paix cette fois? Oui, moi je pose la question. Le problème c'est que dans la nouvelle comme celui-ci, il ne faut pas toujours laisser passer quelques idées qui ne sont pas toujours en harmonie avec les réalités. Quand on dit les hommes politiques, il faut les préparer.
Ah, vous ne prenez pas la question, le temps va passer vite. Non, hein. Non, il faut toujours essayer d'être assis et d'être en harmonie avec l'environnement pour essayer d'interroger l'environnement pour répondre à la question qu'on peut se poser. On ne peut pas décréter le renouvellement des classes politiques, ça c'est aucun peu du monde. C'est en fonction des problèmes réels qui se posent à vous qu'on peut essayer d'interroger le peuple, ce qu'il veut de son destin, ce qu'il veut de sa protection demain, ce qu'il veut de son épanouissement demain, et être rassuré que ce n'est pas parce qu'on est jeune, moi je suis en âge réel, on est des vieux aujourd'hui. Je suis rentré au parti en 71. Je suis le 200e membre du parti. Vous ne vous sentez pas morveux quand même, non? Cette affaire de génération. Et quand on me prend aujourd'hui, Mwambengela, il était ministre très jeune. Si vous prenez ce que les biens que Mwambenga aujourd'hui a, et les jeunes qui nous ont remplacés en si peu de temps, si vous les prenez, et c'est ça la réalité. Le pouvoir d'achat aujourd'hui est plus dense que non, par les temps passés. Non, forcément, on peut trouver des biens dans votre temps. Non. Nous, vous prenez le père d'initiation Guesso, vous faites le tour du pays, en dehors de ce qu'il est conçu pour les ministères accélérés, les résidences et autres, et en tant que celui qui connaît son pays, qui veut s'identifier à son pays, qui pense que pour l'heure, les jeunes auxquels vous faites allusion, puisque je suis quand même vieux, donc je les connais un peu. Et si c'est eux la relève de demain, c'est un échec pour le pays. D'accord, j'en viens à vous, monsieur Mwambenga. J'aimerais qu'on reste véritablement dans le thème maintenant. On va vers la fin, il y a à peine quelques 15 minutes, nous reste. Moi, j'ai posé une question, l'actualité maintenant, là, c'est l'appel à candidature. C'est une pré-campagne d'ailleurs. Oui, nous aurons en mars, c'est la présidentielle. Alors, est-ce que c'est là pour garantir la paix? Parce que déjà, on dit bien, aucun parti politique au Congo ne garantit réellement la paix au Congo. Oui, merci. Je crois que sur cette question, qui est une question majeure, on est à la période des appels à la candidature. Pour moi, le plus important, c'est comment ce système fonctionne, comment il marche. Est-ce que je prends l'UPADES? Est-ce que l'UPADES est satisfaite de comment le processus avance? Parce que n'oubliez pas que l'une des questions majeures chez nous, c'est la frustration des uns des autres. Les gens, ils sont candidats, c'est bien. On ne peut que les encourager. On ne peut qu'attendre d'eux qu'ils travaillent en faveur de la paix. Mais en même temps, en tant que celui qui contribue à faire la paix, je souhaite toujours que, quel que soit ce moment-là, on n'abandonne jamais le dialogue avec les uns les autres. Jamais. Qui est toujours la possibilité de parler, de dialoguer. Et j'ai toujours regretté que, quand nous sommes allés à Sibiti, quand nous sommes allés à certains dialogues, beaucoup de collègues, beaucoup de partis politiques ont dit qu'on ne vient pas. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pour ça que je dis que le président Sassou, il sera probablement candidat parce qu'il ne s'est pas encore annoncé. Mais je pense qu'il va être candidat pour préserver la paix. Mais sinon, quel est son idéal? Et on ne peut que l'encourager dans cette direction-là. Mais d'autres candidats aussi, s'il y en a, qui viennent pour préserver la paix, on les encouragera également. D'accord. Madame Kébi, en ce moment, c'est la politique, la militance qui prend le dessus sur la politique classique. On voit les militants partout, organisés dans des associations et dans des partis politiques qui clament haut et fort la bonne gouvernance et ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas déjà une fausseté dans la véritable marche de la paix? Fausseté, je ne pense pas. Je voulais revenir à la question telle que vous l'aviez annoncée au départ, l'appel à la candidature. On n'est pas déjà dans la pré-campagne. C'est comme l'indique le mot, on fait un appel, donc on lance un appel, on se sollicite de notre président du comité central qu'il accepte de conduire les couleurs de notre parti. Donc pour nous c'est normal, c'est un appel. Et pour le reste, je crois que c'est chaque homme politique qui devrait travailler pour la consolidation de la paix, quel que soit ce que nous pouvons penser des autres. C'est tout d'abord l'implication personnelle. Mais le vécu quotidien, on va voir même au niveau de nos familles, est-ce que déjà à ce niveau-là, on prend la paix?
Je suis tout le temps choquée de voir combien les Congolais, même dans leurs propos, sont violents. Aujourd'hui, on parle de partis politiques et paix, mais les partis politiques sont formés de, des hommes et des femmes qui n'ont pas toujours intériorisé les valeurs de la paix. Mais là aussi, c'est une mission que chaque parti devait se donner. Conscientiser ses membres, ce n'est pas le militantisme. Vous savez, les années passées, on avait bien, mais à l'époque, c'était évidemment un parti unique. On avait l'école nationale du parti pour former tout le monde, les mettre dans le même moule. Bon, ces structures n'existent pas. Il y a plusieurs partis et chacun essaye, dans la mesure de ses moyens, de former ses membres aux valeurs de paix, je crois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà inscrit dans notre politique sociale et culturelle et le PCT y tient. Donc on peut penser qu'à la base, il n'y a aucune culture de paix dans nos têtes, alors, chez les Congolais. Monsieur le journaliste, d'abord, je voudrais restituer la vérité. Moi, j'ai dit que, au regard des résultats auxquels le pays est arrivé, on peut penser que nous avons une classe politique qui n'est pas à la hauteur. Mais le représentant du PCT a semblé me faire dire que je mettais aussi dans ce paquet-là le président de la République. Non, pour nous, le président de la République est un homme de paix. Nous pouvons proclamer ici qu'à telle ou telle autre occasion, par son comportement, il a montré que c'est un homme de paix. Parce qu'il a toujours prôné le dialogue. Ça, c'est une manifestation concrète de cette qualité-là. Donc, le grand frère Ngakala n'a pas à faire des insinuations. Il donne à penser que moi, j'ai déclaré ici que le président n'était pas un homme de paix. Ou bien était un acteur politique qui n'était pas à la hauteur. Non. Moi, j'ai pas entendu ce ça. Débat, il a pas ce dit, débat ne concerne pas le président de la République. Nous disons ceci, pour revenir à la question. Monsieur Obambi, on ne peut pas valablement évaluer la politique sous le prisme haineux des personnes qui n'en maîtrisent pas les arcanes. C'est ce que Mme Kébé a dit. En fait, c'est un état d'esprit. Voyez, appel à la candidature. Mais nous trouvons ça normal. Nous trouvons normal que un parti politique qui voudrait rebeloter ou qui voudrait continuer à diriger la nation mette en œuvre ses stratégies de conservation du pouvoir. Ce n'est pas une faute du point de vue du droit. Nous comprenons aussi les autres acteurs qui mettent tout en œuvre pour conquérir le pouvoir. On se comprend, non? Ce qui est regrettable ici, c'est que les gens, ceux qui font la politique, ne regardent pas en arrière. Nous constatons qu'ils refont les mêmes erreurs. Ah, moi, je suis prof de physique de formation. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. C'est ça qui est regrettable, ce n'est pas l'appel à la candidature. Nous trouvons ça tout à fait normal. Alors, mais le problème ici, c'est ce que le ministre Mwambenga a dit, il faut cultiver les vertus du dialogue. Il faut cultiver les vertus du dialogue. C'est pour ça que moi j'ai dit entre-temps, en tant que commissaire à la gouvernance, qu'on ne peut pas contester un processus auquel on n'a pas pris part, on n'a pas de légitimité. Et nous pensons que les mentalités sont en train d'évoluer, mais ce qui est regrettable, c'est que là, nous sommes dans un contexte particulier, préélectoral. Vous allez constater, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Les gens auront le même comportement, et ces comportements vont conduire à ce que nous avons toujours déploré. Par exemple. Il faudrait. Mais justement, les guerres. Je crois que le ministre Mwambenga l'a dit. Pourquoi le débat politique ailleurs ne conduise pas à des, ne conduise pas à des conflits? Pourquoi ici, chez nous, pour faire la politique, pour dialoguer, il faut d'abord qu'il y ait un conflit. On peut d'abord commencer par dialoguer.
Alors, si ça manque dans nos partis, si ça manque au niveau des partis, au niveau des gouvernants, au haut sommet, je parle pas, quand je parle de haut sommet, je vois pas le président dans sa superstructure, non, je parle des ministres, de tout le monde, de tous ceux qui sont des dignitaires au niveau de la bonne gouvernance dans notre pays, si cela manque, c'est à regret, c'est parce que les partis politiques sont clivés, sont sectaires, on ne prend que la culture du terroir, on voit pas effectivement le Congo tout entier. Oui, monsieur Saï. Je vous ai dit tout au départ que l'art de faire la politique, tel que vous l'avez dit, vient quelquefois de la connaissance qu'on a et de l'inspiration que l'on peut avoir. Et dans le cas présent de la pratique politique, ce qui nous emmène vers des travers, c'est quelquefois le refus d'appliquer tous la règle que nous nous sommes tous donnés de manière consensuelle. C'est comme l'a dit le ministre Mwambenga, c'est quelquefois des frustrations. Et pour le cas de l'UPADES, je crois que nous donnons le bel exemple de la conduite des affaires à l'opposition. N'en déplaise à ceux qui ne le croient pas. Vous savez, depuis que nous sommes à l'opposition, quelles que soient les frustrations dont nous sommes victimes, nous avons porté haut l'intérêt de la République. Vous savez par ailleurs, lorsque nos frères se sont trouvés à l'opposition, des slogans, de creuser les goudrons, de brûler les pneus, mais ça n'a même pas mis du temps. Pour une virgule, pour un article, eh bien on a amené le pays vers là où nous l'avons tous amené. Il faut accepter dans la conception de la paix et de la politique qu'il n'y a paix que parce que l'autre s'humilie. Il peut y avoir quelqu'un qui a un élan agresseur et celui qui s'humilie ressemble à cette personne qui reçoit une joue de la gauche, tend la joue droite. C'est pourquoi je vous ai dit que dans notre pays, il y a des antécédents, il y a des développements de culture, d'enracinement, qui sont de telle nature que lorsqu'on n'est pas aux affaires, on recourt à la rue. On recourt aux pronunciamentos, on recourt. C'est ça. L'UPADES à l'opposition a montré combien, même quand on est frustré, on peut travailler pour l'intérêt de la nation. Et c'est donc de manière normale, en tant que parti de gouvernement, que ce parti réclame de la transparence, réclame la meilleure organisation, réclame finalement au moins l'équité si on ne peut pas obtenir l'égalité. Qu'on obtienne au moins l'équité si on ne peut pas obtenir l'égalité. Vous le vivez au jour le jour. D'accord. Vous ne savez pas, monsieur le journaliste, je vous le dis, qu'il est de foi qu'on est soi-même élu. Et d'autorité, une décision dit, cette personne n'est pas élue, on met quelqu'un d'autre à la place. Vous en avez les preuves? Mais bien entendu. Ah, elles ne sont pas brandies mais ici. Mais je ne les ai pas. D'accord. Je les ai pas, vous, bon, l'humilité, c'est fille de grandeur d'âme, l'humilité dont on parle. Voilà. Et comme ce n'est pas donné à tout le monde d'être humble, je crois que c'est là toute la difficulté à vivre la paix dans les différents partis, surtout au niveau national de politique et paix. Peut-être que vous en avez, vous, à votre niveau. Mon débat devient un peu compliqué, parce que je suis acteur, pas aujourd'hui. Je suis acteur prenant en compte notre passé commun, prenant en compte notre présent aujourd'hui, et peut-être imaginer l'avenir ensemble. C'est pour ces raisons qu'on peut constater que dans ce que dit mon voisin de droite, il y a de mon côté un peu comme quelque chose qui peut me pousser, pas à la polémique, mais à restituer les faits. Quand il dit que l'UPADES, je dis le PCT après 92, n'a plus réussi à sillonner tout le pays pour situer le Parti communautaire de travail. Après 92. Après 93, c'est encore plus grave. Pourquoi on n'a pas pu sillonner le pays? Mais parce que nous étions interdits, nous étions interdits au Parti communautaire de travail, d'aller à Pointe-Noire, d'aller à Dolézé, d'aller à Sibiti, d'aller dans les Trois Palmiers, et tous les nôtres ont été pourchassés. Les quelques rares cadres qui étaient restés accrochés à leur parti, ils sont connus. Quand vous êtes à Dolézé, vous avez Jean-Jacques Mwanda, qui a failli être tué. Mais quand nous sommes revenus aux affaires, première des choses, c'est de réhabiliter la démocratie, de permettre à chaque parti d'être structuré et d'être présent partout. Et aujourd'hui, l'UPADS est à Oyo,
L'UPADES est dans la cuvette ouest, et dans la Sanga, et dans le Kuala, et quelqu'un de l'UPADES peut aller du nord au sud, il risque rien. Personne ne peut l'arrêter. Donc, en termes de comportement pacifique, ça ne serait pas du côté de mon voisin de droite d'en parler avec beaucoup d'éloquence. Il parle très bien. Les mots, il les a à sa portée. Je n'ai que la pratique à ma portée. Et donc, ce qu'il faut faire valoir aussi, c'est l'humilité à croire qu'il y en a qui sont au bas de l'échelle à comprendre les choses et vous devez être certainement au perché à les traiter. Je restitue les faits. Nous étions en campagne. Le Kamal, c'était Jean du Parti et moi, dans le Niari, dans la Bouenza, nous sommes arrêtés chez le secrétaire général du PADES. Mais chose qui ne se faisait pas sous le président Pascal Lissouba. Nous sommes arrêtés chez le secrétaire général du PADES. Nous avions pris notre PDG chez lui. Nous avions passé la nuit chez Mme Mounari, de l'opposition. Nous rentrons de Tiaki. Vous permettez. Mais donc, c'est notre culture. C'est quand on a nos affaires, on va vers les autres. On les cherche, on les installe, mais les erreurs ne manquent pas. Oui, vous vouliez dire Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de développer des polémiques qui vont dans le sens où je tirerai la couverture de mon côté. Vous comprenez, avec tout le respect que j'ai pour vous et pour votre âge, pour votre pratique d'ailleurs. Soyez quand même en mesure de restituer les faits. J'ai travaillé à la présidence de la République sous Lissouba. J'ai vu arriver beaucoup de gens, bénéficier même du président Lissouba. Des GAC au PCT haut placés, bénéficier des services même d'évacuation en Europe, de traitement et tout. Laissez ce côté-ci. Si vous revenez sur ça, on n'avancera même pas d'un coup. Mais dans ce cas, il ne faut pas le faire rebondir alors. Aujourd'hui, mais oui, mais aujourd'hui, je voudrais rétablir cela. Oui. Pour qu'ils sachent, par exemple, que nous, nous sommes, rebondir. Au niveau de nos grands dirigeants, aujourd'hui, interdits de sortir même du territoire. N'en parlons pas. Ce sont des gaffes que l'on trouve ici et là, à l'occasion de l'exercice, et vous n'êtes pas un modèle pour cela. Et si c'est vrai, alors oui, mais c'est si vrai, Tsati Mabiala ne peut pas sortir. Nous ne pouvons pas structurer l'UPADES à Oyo. C'est faux, nous n'avons pas de représentants à Oyo. Nous n'avons pas. Mais je vous dis, lorsque nous avons tenu même notre notre session, l'autre congrès, nous n'avons même pas eu des gens qui soient venus de là-bas. Laissez ça, la République va se construire en essayant de faire de telle sorte que tout ce que vous savez de l'histoire, qu'on essaie d'enterrer cela pour laisser à la nouvelle génération. On veut construire la paix. On veut construire la paix. Votre génération est farcie des vieilles querelles. Quelquefois autour des jeunes dames, autour de je ne sais quoi. Mais oui, d'accord. Laissez-nous construire le nouveau pays. Avec M. Marius Mandenga. Rapidement, oui. Allez-y, oui. Voilà. Je peux dire que. C'est toujours vous autour de vos petits. Oui, maintenant que lui parle, oui. À dire vrai, si c'était autour de vieilles copines de l'époque, il est mieux placé que nous, au niveau de Pédagogie du Travail, tous nos amis. Sont à l'UPADES, tous nos amis. Et c'est une réalité, moi-même je le sais. Tous nos amis, je peux dire que c'est nous. Et sur ces questions, je peux insister et restituer les faits. Entre l'évacuation d'un dirigeant auquel il fait allusion, et entre le parti qui ne pouvait même plus sillonner, ni arriver dans le Niari, ni dans la Bouenza, et il le sait, il sait pourquoi je le dis. Et aux vieilles copines, c'est un débat qui n'est pas le mien. Bon, moi, on n'est pas venu parler de ça ici. Bon, alors, s'il vous plaît, Monsieur Marius Mwambenga, s'il vous plaît, nous avons... Vous avez eu à l'élection que 18 députés, vous étiez pratiquement dans une situation difficile. Si nous avons été méchants, c'était entériner ce départ en douceur. Que vous avez bon, là, ça c'est l'historicité dont vous aviez. Nous avons laissé fonctionner comme il se devait. Mais vous ne pouvez pas. Monsieur Sayi. Monsieur Sayi, ne rappelons plus, vous l'aviez dit, ne rappelons plus ces faits-là. Il ne se tire pas de l'histoire. D'accord. Il n'était pas sûr de mettre en tout cas, parce qu'il avait besoin de PDT pour être élu. Très bien. Il faut être élu, il oublie que PDT lui a. Bon, on va s'arrêter là pour aller à monsieur. On va s'arrêter là pour aller à monsieur Marius Mwambenga. Est-ce qu'il y a au Congo une opposition convaincante? Est-ce qu'on a besoin de l'opposition au Congo, vu le petit nombre que nous sommes? Non, on a besoin de l'opposition. Oui. On ne peut pas faire autre chose.
on a besoin de l'opposition pour qu'il y ait l'équilibre, qu'il y ait comme un contre-pouvoir qui existe quelque part. Mais ça, ce n'est pas la chose qui me préoccupe maintenant, là, après avoir entendu tout ça. Je crois qu'il faut que l'émission Pacifica, ça s'appelle, les prochaines étapes, les prochaines émissions, il faut amener les acteurs politiques à dire comment ils entendent faire pour que la paix soit effective. Mais concrètement, et quand je dis effective, ça veut dire les frustrations, quelles sont-elles? On peut les inventorier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les éviter? On va aux élections demain. Quel problème on a? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, gêne? Qu'est-ce qui peut faire que le scrutin ne soit pas apaisé? Comment on peut le régler? Il faut emmener les acteurs politiques qui viendront à cette émission à se cramponner à ces débats-là. Parce que, vous voyez, là... Mais ils ont peur, certains. Hein. Voilà, oh, ils ont peur, mais il faut les emmener au débat. Il faut les emmener au débat. Il faut qu'ils soient capables de dire, bon, OK, on a eu des problèmes, mais maintenant, nous pensons que on va aux élections. Voilà ce qu'il faut faire. D'ailleurs, nous, au comité, nous sommes en train de préparer un code de bonne conduite des candidats. Pour que, en allant aux élections, chacun sache que ça, il peut faire, ça, il ne peut pas faire. Et qu'il soit possible de sanctionner quelqu'un parce qu'il n'a pas respecté les règles du jeu, qui soient des règles communes. Sinon, ce débat où on se repousse la balle, on est aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est vous, non. D'accord. Madame Kébi, moi, j'ai posé une question. Monsieur Mwambenga a dit qu'il ne s'attardait pas là-dessus. Moi, je voudrais la reposer autrement. Est-ce que l'opposition au Congo vaut-elle la chandelle? Quand on sait que cette opposition se forme à partir des rancœurs, des rancunes, des mauvais souvenirs certainement, et non construire la paix. Bien sûr que c'est dommage que l'opposition se fasse sur la base des rancœurs. Mais l'opposition dans tout pays est même indispensable. Vous savez, vous êtes au pouvoir, il y a des choses qui peuvent vous échapper. Une perception que vous pouvez ne pas avoir de la gestion. Et l'opposition, une opposition responsable, est même à même de vous rappeler, je vous dirais même à vos devoirs, dire là, ça ne va pas, on pourrait faire ceci. Mais une opposition qui est frondeuse, une opposition qui passerait le temps à dénier même la réalité, ne pas reconnaître les actions menées, ne pas reconnaître le bienfait de certaines actions, ce n'est pas cette opposition-là qu'on va avoir. Mais une opposition qui aide les gouvernants à bien gérer. Alors, celle du Congo est classée où? Elle n'atteint pas encore le niveau qu'elle devait atteindre. Des contributions à la paix, hein? Oui, oui, contribution à la paix, contribution justement à la bonne gestion, je veux dire la chose publique. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne gère pas la chose publique. On a aussi, en tant que parlementaire, en tant que... sénateur. Oui, sénateur, les parlementaires, vous participez justement à cette gestion-là. Mais il faut être une position, comme je le dis, responsable, qui sache reconnaître ce qui est bien et pousser ceux qui gouvernent à aller de l'avant. Parce qu'en pointant les insuffisances, ceux qui gouvernent se rendent compte que là, il faut corriger certaines choses. Et donc l'opposition est tout à fait nécessaire dans un pays. Monsieur Walimbo, parti politique, oui. Le CODEMA que nous dirigeons s'inscrit dans une logique d'opposition constructive. Il faudrait rappeler, M. Obambi, que l'opposition est plurielle au Congo. De quelle opposition s'agit-il? Il y a une opposition réputée radicale. Il y a une autre opposition qui se dit républicaine. Cette opposition-là a pris part à tous les rendez-vous avec l'histoire. Evo, Dolizy, Sibiti, Brazzaville. Cette opposition a été rencontrée le président dans le cadre des rencontres citoyennes. Donc, il faudrait nuancer. Nous ne voulons pas assumer le comportement d'une opposition qui monte d'abord les enchères, arrive aux antipodes, crée l'événement pour dire par la suite que nous allons dialoguer. Nous ne sommes pas cette opposition-là. Et cela doit être clair. Et je suis d'accord avec Mme Kébi que
On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Ou vous voulez dialoguer avec le président de la République, dans ce cas, vous ne posez pas de préalable. Vous avez un argumentaire que vous allez développer. Mais quand ce rendez-vous est passé, par la suite, vous dites que vous voulez dialoguer et vous posez encore des préalables. Là, nous aussi, nous sommes des opposants, c'est vrai, mais on ne se retrouve pas. Ensuite, ce qui est important, M. Obambi, une opposition qui envoie des militants à la cité, dans des villes, avec des mégaphones, pour dire que, puisque nous avons décidé de boycotter tel scrutin ou tel autre dispositif, aucun Congolais ne doit partir. Aucun Congolais ne doit s'engager. Ça, ce n'est pas une opposition responsable. Ou nous sommes les démocrates, ou nous ne le sommes pas. Voilà. Donc, nous sommes une opposition républicaine. Et nous ne disons pas à nos militants de menacer d'autres militants parce qu'ils se sont engagés dans un processus. Ils sont libres, c'est les Congolais. D'accord. Voilà. Donc, l'opposition est plurielle. Nous tenons à le marteler ici. D'accord. Je suis d'accord que les frères qui sont dans l'opposition radicale puissent faire valoir leurs droits. Ils ont aussi leur méthodologie. Nous ne nous donnons aucun droit d'inventaire sur leur comportement. De grâce, ils n'ont aussi aucun droit d'inventaire sur ce que nous faisons. Monsieur Sailly, l'opposition... Voilà. Parce qu'il n'y a pas un certificat d'opposant au Congo. Personne ne le délivre. D'accord. Monsieur Sailly, vous êtes de l'UPADES. Est-ce une opposition responsable ou sinon rigide ou extrémiste? Je voudrais vous répondre simplement, monsieur le journaliste, que le mot opposition est gravé dans la Constitution. Il n'y a d'opposition que simplement parce qu'il y a une majorité. C'est d'abord une existence constitutionnelle. Ensuite, on développe au-delà de ce concept des attributs, des accidents, des contingences. Qu'est-ce qu'une opposition radicale? Ce qui est essentiel, ce qui possède sa propre substance, qu'elle donne à sa propre élaboration, c'est l'opposition. Radicale, mais peut-être que par le temps certains l'ont été. Juste, peut-être qu'ils l'ont été. Il y a l'opposition simplement parce que dans notre conception, un pays ressemble à un cours d'eau. Et un cours d'eau doit avoir deux rives pour que le courant soit drainé. Si jamais un cours d'eau n'a pas de rive, il devient une cuvette, il devient un étang. Attribuer à l'opposition le concept de radical, de républicain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour moi, ce sont des adjectifs qualificatifs, par moment épithètes, par la réaction des uns et des autres à l'opposition. Non. Il y en a qui se le clament haut et fort, qui sont l'opposition rigide ou extrémiste. Non, non, il n'y a pas d'opposition rigide, sinon on dira qu'il y a un gouvernement rigide. Parce que ceux qui sont du côté de la majorité, que l'on appelle dans la politique les gens du camp du drap d'or, savent qu'ils ont le bénéfice de celui qui est appelé le nombril de la République, celui qui fait les égaux, qui peut quelquefois préférer des faveurs au mérite. Vous allez demander à un président de la République de ne pas avoir, du fait peut-être de la longue collaboration avec le ministre Ngakala, de ne pas avoir à ses côtés. Non. Il faut laisser aux gens la latitude de penser. Et je vous assure que c'est ça, la logomachie, pratiquement le concept idéologique que nous avons longtemps développé dans ce pays, qui consiste à noyer les autres simplement sur la base des mots. Opposition radicale. Mais qu'est-ce que c'est qu'une opposition radicale? Très bien. C'est une opposition qui défend ses points de vue. C'est une opposition qui estime. Puisque vous voulez parler du président, moi je n'en voulais pas. On est resté par exemple plus de 8 ans à l'opposition, depuis qu'il est arrivé aux affaires. Vous savez combien de fois on a demandé des audiences qui n'ont pas été satisfaites? Mais on est resté là. Je vous assure, n'est pas à l'opposition qui le veut. Je crois que beaucoup auraient déjà pu, je ne sais pas, éculer leurs souliers uniquement parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Ok. Monsieur Akala, est-ce que dans les partis politiques, et parce qu'ils existent, qu'il y ait réellement garanti la paix? Vous avez soulevé un sujet assez intéressant. L'opposition, c'est dans la Constitution. La majorité également, lorsque vous avez eu la chance d'être élu avec la majorité au Parlement, on dit c'est la majorité et à côté c'est l'opposition. À dire vrai, ils sont complémentaires.
C'est vraiment, on est complémentaire. On ne peut pas être majorité sans tenir compte. Mais c'est aussi une culture. Monsieur Obambi, nous sommes encore un pays jeune. C'est le problème, c'est pas un problème de formation, c'est un problème de ce que la préparation des élites, que ce soit à l'université Madame Gwabi, sur les grands débats qui engagent le pays. Quel est le comportement de nos élites intellectuelles? Vous ne pouvez pas construire un pays sans avoir préparé des élites. Et quand vous suivez les élites au plan intellectuel, au plan des diplômes, dire, nous avons la majorité avec nous, le peuple avec nous. Il a vu le peuple où? Mais c'est l'élite qu'on respecte dans d'autres pays. Et là-bas, on contrôle les mots. Et les mots sont bien contrôlés. Mais l'opposition, faut seulement reconnaître que nous avions, après la Cour nationale souveraine, créé plusieurs partis croyant bien faire pour accompagner la démocratie, mais les partis qui n'ont ni projet, ni programme, et on peut avoir une plateforme avec 50 partis politiques, pourquoi faire? Si vous interrogez ces partis, vous les trouvez et à l'opposition et à la majorité. Et on fabrique des associations qui accompagnent les partis politiques, et après, lorsque vous vous asseyez, vous essayez un peu d'interroger ces partis. Pourquoi ils sont avec Obambi? Pourquoi ils sont avec Mbenga? Pourquoi ces partis sont avec Mme Kébi? C'est le problème qui se pose à nous. Donc nous avons un problème d'abord d'ancrage des partis politiques eux-mêmes. La loi sur les partis devrait être appliquée. Mais voilà une grande démocratie comme les États-Unis. Il n'y a qu'un parti politique. Il n'y a que deux partis politiques. Au thème des valeurs que ces partis défendent. Non, ceux qui se représentent le plus sont deux, mais il y en a plusieurs. Il y a le parti communiste. Non, il y a plusieurs qui ne jouent aucun rôle. Ah, d'accord. Qui ne jouent aucun rôle, ils n'ont pas de candidats connus. D'accord. Aujourd'hui, vous suivez le débat sur ce qui sera demain le parti, le candidat des démocrates et des républicains. Ils sont connus. Ok. Ils sont connus. À partir de ce moment-là, quand il est retenu par son parti, il sait maintenant de jouer avec les alliances. Vous n'avez pas répondu à ma question, je vais vous la poser au dernier moment. On va vers la fin de cette émission. Monsieur Marius Mambenga, vous avez du pain sur la planche. Je répète ce mot. Parce que finalement, à entendre les uns et les autres, mais les partis politiques ne garantissent pas réellement la paix. Hein? Oui, je suis d'accord avec ta conclusion. Effectivement, les partis politiques ne garantissent pas encore la paix. J'ai répété tout à l'heure que, à tort ou à raison, ils sont responsables de nos crises. Je dis à tort. Quand ils veulent le reconnaître. Jésus aussi a raison, parce que quelquefois, ils ont raison. Mais je répète ce que j'ai dit. Il faut tout faire pour que cette émission donne l'occasion aux acteurs politiques, chaque fois qu'ils viendront ici, de dire oui, faisons tout pour qu'il y ait la paix. Fustigeons ceux qui gênent la paix. Et je vous assure que ça va changer quelque chose. Mais comme c'est un problème de culture, il faut l'avoir assimilé, il faut avoir appris, il faut avoir été à l'école pour comprendre la science politique, pour l'appliquer ici. Il faut avoir un cœur qui ne se charge pas d'émotions, de rancœur, pour qu'on comprenne que l'amour du prochain prime, non? Pour aller au dialogue, non, madame? On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour cultiver la paix. On a déjà dit, la paix, c'est un ensemble de valeurs. Et la paix, on nous l'initie déjà dans nos maisons. Dans nos maisons, les parents doivent être des acteurs de paix. Dans les écoles, on doit être des acteurs de paix. Et les partis politiques, bien plus encore. Parce que les partis politiques drainent des foules et parfois même, j'allais me permettre le mot, les embrigades, hein, ne laissent pas toujours à ces militants de se poser certaines questions, on peut les suivre bêtement. Et donc, je rappelle la nécessité pour les partis politiques, quels qu'ils soient, de mettre l'accent sur la préservation et la consolidation de la paix. Et pour cela, il faut nécessairement passer par la formation. Ne serait-ce que par quelques, c'est pas des séminaires, mais juste quelques causeries dans les cellules, dans les sections. Comment alors on préparerait ces formations-là, hein, les fragments? Comme vous dites, c'est pas par les séminaires seulement. Mais même dans les cellules. La cellule, c'est une petite entité. Mais pourquoi on a fait disparaître l'école du parti? On l'aurait gardé, non? Mais à l'époque, on était parti unique. Oui. Maintenant, on a plusieurs partis. Elle n'a plus sa valeur aujourd'hui? On a plusieurs partis et nous n'avons pas la même idéologie. L'école politique, l'école du parti, c'était pour mouler ceux
qui était pour la formation socialiste. Et donc maintenant, c'est chaque parti qui devra mettre tout en œuvre pour former ses militants, former ses dirigeants à la préservation, à la consolidation de la paix. Mais on l'aurait mué en Sciences Po, par exemple. Mais peut-être qu'il faudra y réfléchir. Peut-être. Bon, déjà, on nous dit, le temps est arrivé à son épuisement, M. Ngakala. La question, c'est de savoir si vous, qui êtes dans les partis politiques, vous garantissez la paix. J'ai entendu les uns les autres. Moi, je pose cette question à 200 pour que les téléspectateurs nous comprennent et nous entendent bien. Je peux dire que c'est une culture. La paix, c'est une culture. Il faut s'en approprier. Et notre parti a l'obligation, pour le rôle qu'il a joué depuis les années 69 jusqu'à ce jour, c'est le plus ancien parti de notre pays. Il porte en lui et les germes de la division, et les germes de la cohésion, et les germes de l'unité nationale. Donc, lorsque le ministre Mbonyinga dit « Nous sommes responsables de ce que le pays vit aujourd'hui », le PCT dit, nous sommes responsables, oui, mais nous devons corriger. Notre mission, c'est de corriger. C'est de tout mettre en œuvre pour qu'ensemble. Mais j'ai dit que les partis politiques en question. Je dis qu'en 1992, nous avions refusé d'accompagner Kolila parce qu'il n'était pas de notre bord. Mais vous avez les partis et de droite et de gauche ensemble. À ce moment-là, vous ne pouvez pas, à ce niveau-là, entretenir des valeurs qui pourrait vous aider à être toujours ensemble, même quand vous gagnez le pouvoir. Mais après, vous avez eu l'accord PCTU-MCD, non? Mais c'était pour des questions de survie. De paix. De survie. C'était la survie. La survie. Parce qu'on ne peut pas être dans l'accord et être le premier à être pourchassé. À ce moment-là, c'était la question de survie. Mais pas de valeur. C'est de survie. Et la survie s'est posée à nous. D'accord. Ben voilà, on est presque arrivé à la fin. Sinon, à la fin, on aurait aimé aller un peu plus loin. Je peux dire que nous sommes à notre premier épisode. Si vous voulez, on va faire un deuxième épisode la prochaine fois. J'ai eu le conseil du ministre Marius Mwambenga qui me demande de faire venir ici les hommes politiques, mais je lance à leur endroit cet appel. N'ayez pas peur du micro, ni de ce plateau. Venez pour qu'on construise la paix ensemble. Le Congo en a bien besoin. À bon entendeur, salut. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.